médecine générale, pédiatrie, ophtalmologie, traumatologie, le SAMU social a tout mis en œuvre pour offrir des consultations et des soins gratuits aux populations. J'ai mal aux yeux, ça me fait pâter. C'est comme s'il y a un peu ça à l'intérieur. Je regarde, j'examine l'œil pour voir pourquoi elle a mal. Et vous voyez ici, il y a eu l'excroissance ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le pterygium. C'est un peu inflammatoire. C'est lié à l'exposition de l'œil. Et le genou, ça va déjà. Et puis, la cheville, là, je sens maintenant, je marche bien par rapport à vous. C'est quoi ça, la cheville? Vous êtes venu consulter pour ça? Oui, pour la cheville et puis le genou. Comme j'avais eu une fracture là, intérieurement, quand j'avais amené le poids de bois. Donc, vraiment, je sens bien. Après le massage qu'il m'a fait, je sens ça va aller. Est-ce que vous arrivez à vous mettre à genoux? Voilà, vous voyez. Donc, une fois qu'on aura fait le massage, une fois qu'on aura soigné, elle pourra maintenant s'accroupir, se mettre à genoux, retrouver sa fonctionnalité. Ces consultations ont été également l'occasion de tester de nouveaux équipements comme ce fauteuil dentaire. Elle est arrivée pour une douleur dentaire. Elle a mal à la dent régulièrement et elle ne dort pas. Donc, après la consultation, j'ai constaté que sa dent était délabrée. Complètement délabrée, c'est une dent qu'il faut extraire. Voilà. Sauf que là, on ne fait pas les extractions à chaud. On lui amène d'abord sous traitement. Et puis après, elle va monter au SAMU social de Rwanda pour aller se faire extraire sa dent. Avec ses consultations, le SAMU social, à travers sa médecine itinérante, s'engage davantage à offrir des prestations gratuites pour le bien-être des populations à travers le Gabon.